Bonjour, voici le guide pour régler le problème impossible de connecter un Android sur un Power Mirror via USB. Premièrement, assurez-vous que le mode de débogage USB est bien activé. Balayez votre écran vers le bas puis sélectionnez le mode MTP sur votre mobile. Après avoir connecté votre mobile au PC via un câble USB, si la fenêtre de confirmation pour l'activation du débogage USB s'affiche sur votre écran, veuillez cocher la case « Toujours autorisé sur cet ordinateur », puis appuyez sur « OK ». Ensuite, ouvrez un Power Mirror sur votre mobile, puis appuyez sur l'option « Commencer ». Essayez un autre port USB ou un autre câble USB. Assurez-vous que le pilote Android a été bien installé. Pour cela, nous vous recommandons ce détecteur de pilote gratuit, Drive Talent. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre PC. Une fois lancé, cliquez sur « Analyser ». Veuillez relier votre mobile au PC via un câble USB pendant l'analyse. Ensuite, cliquez sur « Pilote périphérique », « USB pilote ». Vérifiez que le pilote Android est normal. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Réparation ». Redémarrez le programme de bureau et l'application mobile à Power Mirror. Si les solutions susmentionnées n'ont pas pu résoudre votre problème de connexion, veuillez nous envoyer un feedback à partir du programme sur PC. Merci d'avoir regardé.